alright, alright. I know you're still here, yeah. I know you're still near, still care. The last time I saw your face before you met God's grace, since the day that you left, it's always been hard days, hard nights, still the same, still the struggle. À peu près 20 minutes de bus. Et puis je suis arrivée vers 1 ou 2 heures de l'après-midi, je pense. Et donc j'ai été dans le hostel Poivre et Sel, ça s'appelle. Il est tenu par un Français. Et en fait, vous pouvez dormir en dortoir pour 14$ la nuit. Il y a du wifi, il y a une cuisine incroyable, je trouve, pour un truc de dortoir. Les lits sont hyper confortables. Vous avez une salle de bain incroyable aussi, enfin, vous dire que c'est une salle de bain, elle est trop bien quoi. Enfin, donc voilà, la salle de bain, enfin, on s'en fout de la salle de bain. Puerto Vero, c'est vraiment super sympa, je pense que vous entendez derrière moi la musique. C'est un petit endroit, un petit village de pêcheurs, surfeurs. C'est vraiment, je trouve que ça incarne vraiment le... à vida costaricain pour l'instant, donc c'est vraiment je sais pas, c'est tout paisible, c'est tout tranquille, c'est bien. Là je vais rester minimum 3 nuits je pense, j'ai déjà payé pour 3 nuits, j'hésite entre 3 et 5 mais je verrai en fonction des activités que je fais, si j'ai envie de rester ou si j'ai envie de partir. Et donc voilà, là je suis en train de regarder le coucher de soleil. Pendant que je vous laisse admirer la beauté du coucher de soleil et du paysage, il y a un truc que je vous avais pas dit, je m'en suis rendu compte, c'est que je vous ai pas trop situé sur la carte où est-ce que c'était, où est-ce que j'étais. Et en fait, donc, je suis arrivée à La Ruela le premier jour, et à La Ruela c'était quasiment dans le centre du Costa Rica. Et puis après, je suis partie pour Tortuguero, et Tortuguero c'est dans le... nord, au niveau, enfin c'est près de, du Nicaragua, donc c'est dans le nord de la côte caraïbe. Et puis après je suis partie pour Cahuita, et là c'est dans le sud de la côte caraïbe. Et ici Puerto Vero c'est encore plus dans le sud de la côte caraïbe, et on est tout près du Panama. D'ailleurs il y a des navettes pour aller à Bocas del Toro pour ceux qui seraient intéressés. C'est des magnifiques îles au Panama qui sont vraiment vraiment superbes, et donc par ici, vous pouvez passer la frontière entre le Costa Rica et le Panama. Donc voilà, là j'ai un petit peu balayé du nord au sud de la côte caribéenne. We'll be right back.
On est sur la Playa Chiquita à Puerto Vero. On n'en parle pas de la plage. What is that? Il n'y a personne. Et c'est magnifique. Petite update ce soir. Je suis toujours à Puerto Viejo. Ce matin, je voulais aller au Jaguar Rescue Center. C'est un endroit où c'est un refuge pour animaux blessés. Alors ceux qui me connaissent savent que je déteste voir des animaux en captivité. Donc là-bas apparemment c'est un endroit où ils s'occupent des animaux qui sont blessés, etc. Et qui remettent en liberté après. C'est une association. Et l'argent est censé aller à l'association. Seulement, j'ai parlé avec le type qui tient l'hôtel ici, enfin, l'hostel ici. Il m'a dit que tout l'argent n'allait pas à l'association, etc. Et que c'était quand même un gros but lucratif. Donc, je suis un peu mitigée. Je voulais y aller ce matin. Seulement, j'avais lu que c'était de 9h30 à 11h30. Enfin, il était marqué 9h30, 11h30, donc moi je suis arrivée vers 9h50 ce matin. Et le truc en fait, c'est qu'il y a une visite à 9h30, puis une visite à 11h30. Donc je ferai ça demain finalement. Je vais quand même essayer de me faire un petit avis sur la question. Le type qui tient l'hostel m'a dit qu'il était assez mitigé, qu'il trouvait ça bien et qu'il trouvait ça pas bien en même temps. Parce que c'était quand même un but lucratif. Et voilà, je vous ai pas montré ma chambre. Alors on est dans un dortoir, hop. Seulement c'est un dortoir de personnes et je suis toute seule et je paye 14$ et donc j'ai une chambre pour moi toute seule pour 14$. Seulement hier j'étais pas toute seule, il y avait une fille avec moi et bon c'est un peu l'inconvénient des dortoirs, elle est rentrée complètement bourrée à minuit. Elle a dû se réveiller ce matin à 5h du matin, elle n'entendait pas son réveil, ce qui fait que son réveil m'a réveillée. Elle faisait plein de boucans, enfin bref. Ça c'est la joie des auberges de jeunesse, des dortoirs, etc. Parfois vous tombez bien, parfois vous tombez pas bien. Soit l'endroit est bien, aujourd'hui c'est bien, hier c'était pas bien. Et voilà, alors, je prendrai avec moi demain. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'ai fait aujourd'hui. Bah je filmais, j'ai simplement été du coup à la plage Coclès. Y arriver, la plage Coclès ça s'appelle, et donc c'est une plage où on peut surfer, enfin où il y a du surf en fait, des gens qui surfent, etc. Et puis après j'ai été à la Playa Chiquita qui était une plage un petit peu plus loin, 2 km plus loin, et en fait à Puerto Viejo, donc vous avez le centre du village et après il y a une route qui va jusqu'à Manzoni, un truc comme ça, je pense. Et vous pouvez y aller à pied, mais c'est genre 5-6 km pour trouver des autres plages. Et donc voilà, j'ai loué un vélo et puis j'ai fait plusieurs plages comme ça pendant la journée. C'était assez sympa, j'ai pris des couleurs, mais pas vraiment de coup de soleil. Ça commence à venir, je commence à bronzer les gars. Ça arrive. Il y a une compétition de surf aujourd'hui. Donc on va regarder tout ça. Ça n'a pas encore commencé, je pense qu'ils sont en train de s'échauffer. Et je vais hâte que ça commence. Comme vous voyez, il y a plein de monde sur la plage. C'est aussi ça les Caraïbes quoi, c'est dégueulasse. Très souvent en Caraïbes. Et c'est vraiment dégueulasse.
toujours la compétition de surf. En fait, c'est pas junior, c'est une compétition générale. Sauf que quand je suis arrivée hier, c'était les juniors. Et maintenant, je pense que c'est les... Je sais pas quelle catégorie c'est, mais bon, c'est des adultes. Quoi. C'est là-bas. Ouh, elle va pas bien du tout. Il y a une magnifique lune ce soir. Elle est vraiment énorme. Et ça me fait vraiment chier de ne pas avoir de zoom. Parce qu'on dirait qu'elle est toute petite, mais elle est vraiment très grosse ce soir. Évidemment, c'est une pleine lune. Slow. Oh yes, I take it easy. All right, I take it slow. Oh yes, just a little love that we want. Just a little love that we need. Just a little love that we want. Hey, just a little love that we need to keep on. Bon, j'ai pas beaucoup pris la caméra ces derniers temps parce que j'ai pas fait grand chose. Il a fait clairement dégueulasse aujourd'hui. On est le 25 janvier et j'ai juste pris un vélo pour aller voir un peu la compétition de surf là tout à l'heure, mais il faisait vraiment affreux, donc j'ai absolument rien fait de la journée. Demain je voulais partir pour aller à la Fortuna pour pouvoir aller voir le volcan Arenal. Seulement c'est pratiquement impossible de faire le trajet en une seule journée en bus local et non pas cher. Du coup j'ai regardé pour prendre un Airbus qui est une compagnie privée de bus. Seulement ça coûte 60$. Bon, je me suis dit bon tant pis, il y a 8 heures de bus, je le ferai en une fois, c'est mieux que de s'arrêter à San José, machin, devoir passer la nuit à San José, etc. Enfin bref, c'était tout un truc de le faire en bus local. Et donc du coup je vais le faire en bus privé, seulement on est dimanche et je peux pas prendre mon ticket pour demain parce que je voulais partir demain parce qu'aujourd'hui c'est fermé. Donc je vais pouvoir prendre mon ticket demain seulement pour après-demain, donc je suis coincée une journée à Puerto Viejo. En soi c'est pas si grave, ou est-ce pas si grave que ça, mais bon, à savoir que c'est une journée demain et puis après c'est une journée en bus. Ça fait un petit peu long, donc j'espère que demain il va faire un tout petit peu beau. Je demande pas qu'il y ait grand soleil, hein, juste qu'il ne pleuve pas, qu'est-ce que je puisse aller à la plage et que je puisse faire quelque chose et que ce soit pas une journée totalement perdue. Je me suis rendu compte que je vous avais pas montré à quoi ressemblait l'hostel en fait, donc je vais vous montrer ça. Alors ici vous avez ma chambre qui est juste là, et là on a une petite terrasse. Ok. Ici, là-bas, au bout du couloir, là-bas, on a les toilettes. Puis ici, dehors, on a la rue. Évidemment, il fallait qu'il y ait des trucs qui passent pour que je parle. Et donc là, en bas, il y a le restaurant de l'hôtel qui s'appelle aussi Sel et Sucre. Et c'est une crêperie. Donc en fait, moi, je suis juste au-dessus du restaurant. Puis après, là-bas, hop, on a ici, là en bas, il y a la cuisine. Puis là-bas en haut, il y a un autre dortoir. Là, vous avez des espèces de communs et tout. Et ici, encore une petite terrasse. Donc c'est vraiment hyper sympa. Là-bas, je sais pas si on voit les dortoirs. Ouais, il y a d'autres dortoirs ici, puis il y a des autres chambres. Et puis en fait, là, moi, où je suis, il y a principalement des chambres privées. Et puis il y a mon dortoir de deux personnes, là. Hello! Alors on va récapituler mes frasques de ce matin. Je suis désolée qu'on voit le selfie stick, mais je suis à vélo! Alors, j'ai décidé finalement, je ne me rappelle pas si je l'ai dit, de partir à la Fortuna pour voir le volcan Arenal demain, parce que c'était trop compliqué de pouvoir y aller aujourd'hui en transport public. Et donc je dois prendre un shuttle pour pouvoir aller jusqu'à la Fortuna. Ce matin je me rends au Interbus, ça s'appelle,
C'est les bus privés que vous trouvez au Costa Rica. Donc je me rends chez eux et je leur dis bon voilà, j'aimerais bien voir. Il n'y a personne derrière, on me prend pour une dingue. Je voudrais bien avoir une place pour demain, pour le bus pour aller jusqu'à La Fortuna. Seulement le type me dit évidemment, nous n'avons plus de bus pour aller à La Fortuna demain. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre un bus local pour aller jusqu'à San José. Et puis à San José, là je peux prendre un shuttle pour pouvoir aller jusqu'à La Fortuna. Un shuttle que j'ai déjà pris tous mes tickets, donc j'ai dû aller sur les bus, au truc des bus locaux pour pouvoir prendre mon ticket, pour être sûr de pouvoir avoir un ticket. Et bref, voilà. J'ai quand même dû payer 52$, aller chercher l'erreur. Puerto Viejo, La Fortuna, c'est 8 heures de bus et ça coûte 60$. Et San José, La Fortuna, c'est 4 heures de bus et ça coûte 52$. Veuillez chercher le problème. Et donc aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait beau. Enfin, il fait beau, il pleut pas. Il y a des nuages, mais il pleut pas. Donc je vais aller à une autre plage qui s'appelle Punta Uva. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une plage où j'ai pas encore été parce qu'elle était un peu loin, mais comme j'ai déjà fait la Playa Cocles et la Playa Chiquita, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour pouvoir aller à Punta Uva aujourd'hui. On est sur la plage de Punta Uva. Je pense pas qu'il y avoir autant de monde. Je suis un peu déçue. Il y a blindé de monde. Mais bon, c'est pas grave. C'est le beau côté et là c'est le moche côté. 45 personnes pour se partager 4,50 m de plage. Mais bon, ça c'est magnifique. Seulement ça pouvait être désert. Mais bon.